Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons parler de l'Ukraine, des dernières avancées russes en Ukraine. Mais avant de vous parler de tout cela, j'aimerais attirer votre attention sur un documentaire que je viens de faire, nommé « Iran, Irak, la malédiction du pétrole ». Ce documentaire est réservé aux abonnés. Alors l'Ukraine. L'Ukraine, avant tout, un petit retour. Nous sommes le 10 juillet 2016. Madame Merkel et Monsieur François Hollande, ainsi que Barack Obama, se réunissent pour une réunion de l'OTAN. Rappelez-vous, Angela Merkel a donné il n'y a pas très longtemps, une interview à un journal allemand, je croyais que c'était Der Spiegel, où elle disait, je cite, « Les accords de Minsk, signés en 2015, auraient essentiellement servi à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. » Bon, heureusement qu'elle nous le dit maintenant. Si de nombreuses voix au sein de l'OTAN et de l'Union européenne enjoignent l'Ukraine de progresser dans ses programmes de réformes économiques et dans la lutte contre la corruption, exprimant ainsi quelques signes d'impatience, l'OTAN a aussi réaffirmé son soutien à Kiev. Un paquet d'assistance globale a été accordé au deuxième et dernier jour de son sommet à Varsovie afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Une décision accueillie favorablement par la vice-première ministre. Il s'agit d'une des étapes en vue d'atteindre les normes de l'OTAN dans le pays, les normes de l'OTAN dans les forces armées, dans les sphères de la sécurité et de la défense. Cela va nous rendre nettement plus forts et capables de défendre davantage notre pays, car nous comprenons chaque jour, malheureusement, que nous devons nous tenir prêts. Il a aussi été question durant ce sommet de Varsovie des accords de Minsk sur le règlement de la crise ukrainienne, alors que l'application de ces accords est actuellement au point mort. La position officielle de la Russie est de regarder avec la plus grande suspicion tous les liens que noue l'Ukraine avec l'Alliance de l'Atlantique Nord, explique cet analyste. La Russie soupçonne l'Ukraine, sans que ce soit vraiment concret, de vouloir devenir membre de l'OTAN à un moment donné. Concernant le paquet de mesures accordées, il est dans le prolongement de ce qui a été lancé lors du précédent sommet au Pays de Galles. Et sur ce point, il n'y a pas de changement majeur. Petro Poroshenko a également discuté avec ses collègues européens de la situation dans l'est de l'Ukraine. Aller de l'avant dans le processus de Minsk requiert évidemment la participation russe. Mais le président ukrainien peut être fier, l'OTAN n'a jamais fourni à l'un de ses partenaires un programme d'aide aussi large et complet que celui qu'il a promis à Kiev, en plus de son soutien politique. Andrei Bikhetov, Euronews, Varsava. Retour en 2023 où les forces russes ont pris le contrôle d'une petite ville qui s'appelle Soledar. La situation dans l'est de l'Ukraine est toujours floue et très tendue. La Russie y a déployé ses meilleures forces appuyées par les combattants du groupe paramilitaire Wagner. Depuis vendredi, son ministère de la Défense affirme avoir pris le contrôle de la ville minière de Soledar, en grande partie détruite et quasi vidée de ses habitants. Mais si l'Ukraine admet être en difficulté face à l'intensité des combats, elle ne s'avoue pas vaincue. À 25 km au nord de Soledar, dans la ville de Siversk, les bruits de l'artillerie résonnent aussi. Si l'armée russe s'acharne sur ces localités du Donbass, c'est qu'elle souhaite notamment mettre à mal la résistance ukrainienne et afficher des victoires après plusieurs revers. Dans leur rapport ce matin, les militaires ukrainiens ne font pas vraiment mention de Soledar, ne donnent pas d'informations précises, préférant parler de la direction de Bakhmut. La bataille de Soledar est considérée comme faisant partie en réalité de la tentative de la Russie de prendre le contrôle de Bakhmut, qui est une ville beaucoup plus grande, à 10 km de Soledar. Sur les réseaux sociaux et aussi dans ce que disent certains journalistes qui ne sont pas à Soledar même, mais près de cette ville, en tout cas,
une partie des forces ukrainiennes aurait quitté la zone. Il semblerait que les Russes sont présents dans la ville et peut-être même qu'ils contrôlent la majeure partie de la ville. C'est aussi l'avis de l'Institut pour les études de la guerre, ce think tank basé à Washington, mais peut-être pas la totalité de la ville. En tout cas, les Ukrainiens n'ont pas envie d'admettre une défaite à Soledar. Il y a aussi des réactions quelque peu irritées par certains soldats ukrainiens réagissant à ce qu'ont dit leurs confrères ou des commentateurs sur les réseaux sociaux, disant qu'il ne faut pas disséminer des informations fausses puisque la bataille continue. Mais je pense que tout le monde s'accorde à dire pour le moins que la situation est difficile pour l'Ukraine à Soledar. À l'ONU, c'est d'ailleurs normalement l'objectif principal de cette organisation, on va essayer de parler de paix. Pour la secrétaire générale adjointe de l'ONU en charge des affaires politiques, l'Ukraine, la Russie et le monde ne peuvent pas se permettre que la guerre continue. Il n'y a aucun signe d'une fin des combats. La logique qui prévaut est une logique militaire avec très peu, voire aucune place pour le dialogue pour le moment. Mais toutes les guerres ont une fin, et celle-ci en aura une aussi. Kiev appelle toujours les Occidentaux à lui fournir des armes et soutient que Moscou planifie une attaque d'envergure en février. Il est clair qu'il n'y a pas de place pour un compromis avec le mal. La Russie indique que son opération militaire spéciale prendra fin si les menaces de Kiev et la discrimination envers la population russophone cessent. Depuis le 24 février dernier, plus de 18 000 victimes civiles ont déjà été recensées par l'ONU. C'est à la Turquie et peut-être à Israël de pouvoir essayer de parler avec toutes les parties. Lorsque les ennemis russes et ukrainiens se parlent, cela se passe dans la capitale turque. Pour évacuer leurs blessés respectifs, Kiev et Moscou se sont tournés hier vers un homme incontournable depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan. Nous avons reçu une proposition d'ouvrir un corridor humanitaire. Est-ce que nous y sommes prêts ? Oui. C'est notre devoir humanitaire, notre devoir de conscience, et nous allons continuer à le faire. L'été dernier, le président turc avait de la même manière fait en sorte que, malgré le conflit, les céréales ukrainiennes puissent transiter par les ports de la mer Noire, vers des pays du Sud comme le Pakistan, très dépendant et aujourd'hui très reconnaissant. L'accord sur les céréales en mer Noire a permis d'éviter une famine dévastatrice. Nous sommes heureux de nommer le président Erdogan pour le prix Nobel de la paix. J'ai eu un entretien avec M. Poutine ce matin. Et aujourd'hui encore, j'aurai une réunion avec M. Zelensky. Au cours de cette réunion, nous discuterons des entretiens que nous avons eus avec M. Poutine et de la manière dont nous pouvons assouplir les relations entre la Russie et l'Ukraine. Le médiateur Erdogan tient surtout une position d'équilibriste. Il soutient militairement l'Ukraine en lui livrant notamment ses drones de combat. Mais il se garde bien, dans le même temps, de participer aux sanctions occidentales contre la Russie, notamment sur le point le plus délicat, le gaz. Les Européens essayent de s'en passer, la Turquie le convoite, ce qui évidemment n'a pas échappé à Vladimir Poutine. Nos hydrocarbures, y compris le gaz, sont fournis dans leur intégralité conformément à vos demandes. Nous assurerons le transit via la Turquie vers les pays européens. La Turquie s'est avérée être la voie la plus fiable pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe aujourd'hui. Tantôt rivaux, tantôt partenaires, Poutine et Erdogan partagent la même vision musclée de la politique étrangère. Celle qui n'hésite pas à malmener ses alliés. La Turquie, deuxième puissance militaire de l'OTAN, bloque depuis des mois l'entrée de deux pays qui cherchent à se protéger de la menace russe, la Suède et la Finlande. J'ai dit au président Erdogan et aux dirigeants turcs que le moment était venu de finaliser le processus d'adhésion. Et je suis convaincu que cela se fera. Mais je fais attention à ne pas spéculer sur le moment où cela se produira. L'Alliance Atlantique suspendue au chantage du président turc. Il accuse ces deux pays nordiques d'être un sanctuaire pour ses opposants politiques, notamment les Kurdes, son obsession. La Suède veut l'adhésion à l'OTAN pour sa propre sécurité. Mais nous voulons voir une Suède qui nous aide à résoudre nos propres problèmes de sécurité.
Les organisations terroristes comme le PKK doivent être empêchées d'exploiter le climat démocratique de la Suède. En juin dernier, Helsinki et Stockholm avaient dû faire des concessions à Ankara, ouvrant notamment la voie à plusieurs extraditions d'opposants. Mais depuis, la liste des exigences du président turc n'a cessé de s'allonger. La Turquie confirme que nous avons fait ce que nous avions dit, mais elle veut aussi des choses que nous ne pouvons et que nous ne voulons pas lui donner. Maintenant, la décision est dans le camp de la Turquie. Médiateur pour la paix en Ukraine, en guerre contre les Kurdes en Syrie, interlocuteur incontournable des Occidentaux, Recep Tayyip Erdogan, c'est un activisme aux multiples facettes, mais toujours au service de ses seuls intérêts. Alors, un hiver très doux, un réchauffement dans le monde entier? Non, pas dans le monde entier. En Russie, ou plutôt en Sibérie, il va faire jusqu'à moins 60. Habitué au froid en hiver, la Sibérie connaît un début de mois de janvier particulièrement glacial. Des températures inférieures de 30 degrés au moyenne ont été enregistrées. Dans le village d'Oymyakon, connu comme le plus froid du monde, le thermomètre est même tombé à moins 60 degrés. Des températures aussi basses, liées à un anticyclone qui enferme le froid, n'avaient pas été enregistrées depuis une dizaine d'années. Aux États-Unis, après avoir subi des tempêtes de neige, maintenant, ce sont des tornades qui dévastent le sud. Les États-Unis, une nouvelle fois confrontés au déchaînement de la nature. Plusieurs tempêtes engendrant des tornades ont balayé des États du sud du pays, faisant au moins 7 morts, en Géorgie et en Alabama. Les autorités locales rapportent aussi que 12 personnes ont été hospitalisées, blessées parfois gravement. Jeudi soir, les équipes de secours concentraient leurs recherches autour des arbres abattus, principal danger pour la population. Alors, toujours aux États-Unis, M. Biden commence à avoir des problèmes avec la Chambre des représentants qui, cette fois-ci, est républicaine. Le président américain dans l'embarras après la découverte chez lui d'un nouveau lot de documents confidentiels. Face à la question franche d'un journaliste de la chaîne Fox News, Joe Biden est apparu sur la défensive. Laissez-moi avoir la chance de parler de tout cela bientôt, si Dieu le veut. Mais comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, ma Corvette est dans un garage fermé. Ok, donc ce n'est pas comme si ma voiture était garée dans la rue. Joe Biden a aussi soutenu qu'il coopérait pleinement avec les enquêteurs, histoire de se différencier de son prédécesseur, lui aussi sous le coup d'une enquête pour la conservation de documents classifiés. Regardez le président Joe Biden. Il n'était pas président, il était vice-président. Il a gardé des documents dans différents endroits à l'extérieur. A-t-il utilisé le ministère de la Justice pour faire une descente chez le président Trump? Pensez-vous que c'était juste? Il savait que cela arriverait au président Biden avant l'élection, mais ils l'ont caché au public américain? Le ministère américain de la Justice a nommé un procureur spécial pour enquêter sur cet incident, mais le Parti des Républicains, qui contrôle la Chambre des représentants depuis peu, promet de suivre l'affaire de très près. La Maison-Blanche et les avocats de Joe Biden tentent de limiter les dégâts. Nous sommes persuadés qu'un examen approfondi montrera que ces documents ont été égarés par inadvertance et que le président et ses avocats ont agi rapidement dès la découverte de cette erreur. Mais après l'ancien bureau et une résidence privée du président démocrate, certains se demandent si d'autres documents pourraient être découverts ailleurs. Selon la télévision chinoise, l'économie de marché est menacée par les décisions américaines. Certains pays, en particulier les États-Unis, violent la règle de la compétition équitable, des principes de l'économie de marché et les règles du commerce multilatéral. Ils suppriment les entreprises de haute technologie dans d'autres pays sous divers termes trompeurs. Cela perturbe la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela sape le droit légitime d'autres pays au développement, de même que l'intérêt commun de la communauté internationale. C'est aussi absolument contraire à l'esprit du droit international. En Iran, un anglo-iranien va être exécuté.
Alireza Akbari a été arrêté il y a 3 ans. Il a été donc accusé à ce moment-là d'espionnage au profit de la Grande-Bretagne. Les médias iraniens ont montré ces derniers jours de nombreuses vidéos dans lesquelles il fait des aveux, donc des vidéos qui ont été remises aux médias par le ministère de renseignement. Il fait des aveux, on le voit avec certains diplomates britanniques, et il affirme dans ces vidéos, dans le détail, qu'il a remis des informations à certains diplomate britannique en poste à Téhéran, mais aussi à l'étranger, en Espagne par exemple, lorsqu'il était en déplacement en Espagne ou même à Londres. Donc il a, selon ses aveux, il a collaboré avec les services de renseignement britanniques. Mais dans d'autres déclarations remises aux médias étrangers par sa famille, il dément et il affirme qu'il a fait ses aveux sous la pression alors qu'il était en prison et donc aux mains des membres du ministère des renseignements. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un ancien vice-ministre de la Défense, donc un poste très important et stratégique. Il a eu accès à des informations secrètes et importantes durant des années. Il est resté ensuite conseiller et très proche d'Ali Shamkhani, qui occupe actuellement, qui était ancien ministre de la Défense sous le président réformateur Mohamed Khatami. Et il est aujourd'hui un poste stratégique également, puisqu'il est secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, et à ce titre, il chapeaute les négociations nucléaires. Donc, on reproche à Alireza Akbari d'avoir remis des informations non seulement sur les négociations nucléaires, sur le programme nucléaire, mais aussi sur le programme balistique de Téhéran aux Britanniques. Donc des informations importantes, et c'est pour cette raison qu'il a été exécuté selon Téhéran. Londres a protesté bien sûr et avait demandé la libération d'Alireza Akbari puisqu'il a aussi la nationalité britannique. Ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque pour un poste important de vice-ministre de la Défense, normalement selon la loi iranienne, on peut pas avoir une nationalité étrangère. Est-ce qu'il a obtenu la nationalité durant ces dernières années ou pas, on ne le sait pas. Mais l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité et donc a rejeté les accusations et les demandes britanniques et a procédé à l'exécution d'Alireza Akbari ce matin. Alors nous arrivons en Europe avec, je dois le dire, une inauguration qui pour nous Français est une fois de plus un affront pour nos investissements. Voilà un concurrent européen à notre base de lancement spatial de Kourou en Guyane. C'est ici, en Suède, à 200 km au nord du cercle polaire, qu'un satellite pourrait être lancé pour la première fois depuis le sol européen, hors Russie. L'extension du site spatial S-Range, créé dans les années 60 pour étudier l'atmosphère terrestre et les aurores boréales, a été inaugurée ce vendredi par le roi de Suède et la présidente de la Commission européenne. Ce port spatial offre une passerelle européenne indépendante vers l'espace. C'est exactement l'infrastructure dont nous avons besoin, non seulement pour innover, mais aussi pour explorer davantage la dernière frontière. De plus en plus petits et de moins en moins chers, les satellites opérationnels devraient être près de 100 000 à graviter autour de la Terre en 2040, contre environ 5 000 actuellement. Un premier satellite pourrait être lancé depuis le Grand Nord de la Suède, début 2024. En Tchéquie, demain, un scrutin présidentiel. Mais M. Macron a pour sa part essuyé des critiques de la part des Tchèques pour son soutien à un milliardaire poursuivi par le parquet national financier français. Les électeurs tchèques doivent se rendre aux urnes ce vendredi et samedi. Le pays d'Europe centrale doit trouver un successeur au président Miloš Zeman, à la santé fragile, qui doit aussi se retirer après 2 mandats. 8 candidats sont en lice, mais 3 font figure de favoris. Premier ministre de 2017 à 2021, Andrej Babis vient tout juste d'être acquitté dans une affaire de fraude aux subventions européennes. Son parti libéral ANO siège au Parlement européen aux côtés de celui du président français, qu'il a reçu à Paris cette semaine. Candidat indépendant, Petr Pavel est un ancien général de l'armée tchèque. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, le soixantenaire a fait campagne en se présentant comme l'homme de la situation. Danuše Nerudová est une économiste et ex-présidente d'université. Si elle était élue, elle deviendrait la première femme à occuper le poste de chef d'État de la République tchèque
et la plus jeune. Si aucun candidat n'obtient la majorité, les deux premiers devront s'affronter lors d'un second tour dans 2 semaines. Frontex, notre police des frontières européennes, a publié des chiffres inquiétants sur l'entrée d'irréguliers dans l'espace européen. Et le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 64% en 2022 par rapport à l'an dernier. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. Les chiffres de l'immigration clandestine en Europe ont été dévoilés hier par Frontex, l'agence européenne des frontières. Les précisions de David Montagnier. 330 000 entrées irrégulières ont été recensées sur le territoire européen en 2022, un chiffre qui, selon certaines sources, serait sous-évalué et qui contraste en effet avec les 150 000 clandestins qui arriveraient en France chaque année. Au niveau européen donc, ce sont les Syriens, les Afghans et les Tunisiens qui représentent la majorité des entrants. Le nombre de Syriens a lui pratiquement doublé. Ces migrants empruntent plusieurs itinéraires pour rejoindre l'Europe. La route des Balkans, tout d'abord, ils sont 145 000 à la prendre, un chiffre en hausse de 136% par rapport à l'année dernière. Vient ensuite la route de la Méditerranée centrale. Elle a vu le nombre de clandestins dépasser les 100 000, soit une hausse de plus de la moitié. Des chiffres qui risquent d'évoluer dans les années à venir avec le nouveau défi migratoire qui s'annonce, notamment après le départ des troupes françaises du Mali et la fragilisation du Sahel. Alors la Hongrie souffre plus que les autres pays européens d'une inflation monumentale. Dans ce supermarché, comme ailleurs en Hongrie, la plupart des clients redoutent le passage en caisse. En décembre, le pays a enregistré le taux d'inflation le plus élevé de l'Union européenne, avec 24,5%. En moyenne et en quelques mois, le coût des produits alimentaires a presque doublé. Je n'achète de la viande que très rarement car elle est terriblement chère, sans parler de l'échine par exemple que l'on prépare pour les fêtes. Je n'en ai pas acheté pour Noël cette année. Ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir acheter de fromage. J'aime tellement ça, mais je ne peux pas me permettre d'en acheter. Pour la suite, les experts ne se montrent pas rassurants et préviennent. Les Hongrois doivent se préparer à ce que l'inflation se prolonge et s'aggrave. L'inflation pourrait atteindre un pic en janvier ou février et restera ensuite durablement au-dessus ou autour de 20%. Il est probable que dans plusieurs mois, peut-être 6 mois, la Hongrie connaisse l'inflation la plus élevée d'Europe. Si l'augmentation n'épargne aucun pays en Europe, elle est particulièrement forte en Hongrie. Et pour ça, 2 explications, l'affaiblissement du forint, la devise nationale, et d'importants transferts d'argent transmis aux citoyens par l'État avant la réélection de Viktor Orban en avril dernier. Et nous voici en Bulgarie. Perquisition dans les locaux de la cryptobanque Nexo à Sofia en Bulgarie ce jeudi. La société est accusée de crimes organisés, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Selon le parquet bulgare qui mène l'enquête, Nexo a également compté parmi ses clients un individu qui a financé des actes terroristes. Au cours des 5 dernières années, plus de 90 milliards de dollars ont circulé sur cette plateforme fondée en 2017 et dirigée par 3 Bulgares. Après la faillite spectaculaire du géant FTX en novembre dernier, sur fond de chute des cours des cryptoactifs, les plateformes de crypto-monnaies sont sur la sellette et les appels à réguler le secteur se multiplient. L'an dernier, une autre Bulgare, Ruya Ignatova, a été placée sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI après avoir détourné en 2014 plus de 4 milliards de dollars via le lancement d'un projet de crypto-monnaie. En Lituanie, un gazoduc a explosé. Des flammes pouvant atteindre 50 mètres de haut. En Lituanie, une explosion a endommagé ce vendredi un gazoduc qui relie les pays baltes à la Pologne. Éloigné de zones résidentielles, l'incendie n'aurait pas fait de victimes. L'opérateur a annoncé enquêter sur les circonstances de l'incident et être en mesure de continuer à approvisionner les consommateurs. Le gazoduc où l'incendie s'est déclaré servait à fournir du gaz dans le nord de la Lituanie et à en transporter vers la Lettonie. Après les scandales que nous connaissons avec le Qatar, et puis
avec Madame von der Leyen, la présidente du Parlement européen tente de nous rassurer. Dans tous les cas, pour moi, en vain. Le Parlement européen propose une nouvelle série de mesures de transparence et de lutte contre la corruption suite au scandale de Pot-de-Vin. Selon la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui s'est entretenue avec Euronews, l'objectif est de rendre chacun responsable au sein de l'institution. Au bout du compte, la confiance qui a mis 20 ans à se construire est détruite en quelques minutes. Nous nous lançons donc maintenant dans une série de mesures plus rapides, dont certaines doivent être renforcées et d'autres encore doivent être revues. En substance, réintroduire le concept de responsabilité, d'intégrité et d'indépendance. Nous pouvons être fiers de notre travail, mais nous pouvons faire mieux. Et y aura-t-il également une protection juridique pour les dénonciateurs dans cette maison? Nous pouvons toujours améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Je ne le dis pas seulement en tant que femme politique, mais aussi en tant qu'avocate. Pour protéger cette Assemblée, ses membres, pour qu'une fois qu'ils constatent un acte répréhensible, ils puissent le signaler en toute sécurité et être protégés tout au long du processus, je dois être la garante de cela et j'y veillerai. Pensez-vous que de nouveaux noms apparaîtront dans le scandale du Parlement européen, que ce soit des assistants ou des députés? Ce n'est pas une chose sur laquelle je peux spéculer à ce stade, s'il y en aura d'autres. D'une assemblée à une autre, nous voici en France, à l'Assemblée nationale, où les débats sont vraiment très, très houleux. Vous êtes des incapables, vous êtes des hypocrites et vous êtes des menteurs. 50 ans après, vos cravates ne cacheront jamais votre flamme. Oui, nous avons le droit de débattre et de ne pas nous faire insulter. C'est votre faute aujourd'hui si des agriculteurs se suicident. Coup de gueule, débat enflammé. Ça suffit maintenant. On ne vous entend jamais. Parfois endormie sous la dernière mandature, l'Assemblée s'est réveillée. Alors qu'elle le toucherait, enfin connectez-vous un peu à la réalité. L'hémicycle, il y a une part de vérité, de parfois dans l'excès, parce que c'est un sentiment humain parfaitement compréhensible. Le spectacle parlementaire est désormais permanent et déborde sur tous les écrans. Bonjour à toutes et à tous, cette petite vidéo pour vous présenter mon activité à l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Avec ses sièges rouges et ses dorures, il est depuis la Révolution le grand théâtre du jeu politique français. Il faut voir que l'hémicycle, c'est le premier endroit où on va prévoir des tribunes historiquement. C'est le premier endroit également dont on va faire un compte-rendu qui va être diffusé à l'ensemble de la population. Et c'est là réellement que va se synthétiser la mise en scène de cette vie politique. Donc on a un aspect théâtral. Cet aspect théâtral, il est assumé, mais il a tout son rôle dans la représentation. Silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! J'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Silence pour la France ! S'il vous plaît. Avec 88 députés Rassemblement National, 74 pour la France Insoumise et une majorité relative pour le gouvernement, les rapports de force ont changé sur les bancs. Et les séances. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a examiné les propositions de loi déposées par le groupe Rassemblement national. Ces propositions de loi, notamment les deux premières que j'ai votées, étaient des propositions qui émanaient d'autres groupes de l'Assemblée nationale. Je ne les ai pas donc regardées comme des propositions du Rassemblement national ou d'un autre parti. Je les ai regardées comme des propositions de bon sens visant à alléger les charges pour la première, pour les entreprises qui augmenteraient de 10% les salaires et visant à supprimer les zones de faibles émissions qui vont empêcher la moitié des automobilistes d'accéder aux agglomérations. Et pourtant, vous pouvez retrouver les débats. On a assisté à un concours de mauvaise foi. Sous prétexte que cela venait du Front National, du Rassemblement National, pardon, eh bien, tous les groupes politiques ont fait des discours hallucinants de folie, contraires à tout ce qu'ils disent tout au long de l'année sur ces deux domaines clés.
Les Républicains, par exemple, ont refusé de voter une disposition faite pour aider les patrons de PME à augmenter les salaires. Les Républicains ont refusé de voter la proposition qui supprime les ZFE. Les ZFE, ces zones de forte exclusion qui vont discriminer tous ceux qui ne peuvent pas payer une voiture électrique pour accéder à l'agglomération, aux 40 agglomérations françaises. Et donc, on arrive à une situation complètement déconnectée de toute raison. Moi, je persiste à penser que quand une proposition est bonne, d'où qu'elle vienne, il faut la voter. Et je pense que les députés ont eu tort aujourd'hui de faire preuve d'esprit politicien. Si les mêmes propositions avaient été émises par France Insoumise, par En Marche, Les Républicains ou autres, je les aurais votées de la même façon. Et je crois que c'est l'honneur de ma fonction de député, eh bien, de voter en fonction de ce que je crois être l'intérêt des Français, ce que je crois être l'intérêt national. La seconde nouveauté de la journée, on l'a vu avec la sortie des leaders républicains sur le perron de Matignon, et on le voit tous les jours à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est l'alliance de plus en plus objective, évidente, flagrante, entre les macronistes et les républicains. Alors pourquoi pas le retour de l'uniforme à l'école ? Schlein, le retour de l'uniforme à l'école, on en parle régulièrement. Emma Sayer rebelote, il est à nouveau sur la table. Aujourd'hui, le Rassemblement national le propose dans le cadre de sa niche parlementaire, mais on en a déjà parlé beaucoup auparavant. Brigitte Macron, par exemple, la première dame de France, se dit favorable au retour de cet uniforme. Elle dit « J'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, je l'ai bien vécu, ça gomme les différences ». Voilà, ça c'est la prise de position de la première dame. On a aussi un sondage CSA pour CNews. 59% des Français se disent favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école. Mais on va faire un tout petit tour à l'Assemblée nationale où se trouve Gauthier Lebret, parce que c'est aujourd'hui que les députés du Rassemblement national proposent donc cette proposition de loi qui, a priori, ne passera pas. Gauthier Lebret nous explique pourquoi. Oui, Laurence, très peu de chance pour le Rassemblement National de voir sa proposition de loi sur l'instauration de l'uniforme à l'école et au collège adoptée ici au Parlement pour une raison simple. Les députés Renaissance et les Républicains, même s'ils y sont plutôt favorables, ne veulent pas mélanger leur voix avec celle du RN. D'ailleurs, les Républicains pratiquent la politique de la chaise vide aujourd'hui ici à l'Assemblée. Sur l'aspect purement politicien, le fait d'expliquer qu'on est d'accord avec une mesure, mais qu'on ne la votera pas parce qu'elle vient du Rassemblement national, moi, ça me laisse sans voix. Surtout sur un sujet comme ça. Il me semble qu'on peut s'entendre sur certains sujets, si, sincèrement, on le pense. Ensuite, je suis d'accord sur le point de vue symbolique. Ça ne changera pas, en effet, les grands problèmes qui faut quand même nommer les choses, qui est l'effondrement du niveau et de l'acquisition des savoirs élémentaires. Mais je crois que ce serait un bon signal. Alors, je ferai une distinction entre l'uniforme et une tenue. Obligatoire, c'est-à-dire des couleurs, pas un uniforme blouse, au sens une blouse oui, mais voilà. Pas un uniforme au sens propre, on n'est pas à l'armée. Mais je crois que ce serait quand même un bon signal envoyé pour dire qu'on change de philosophie, puisque vous êtes philosophe, que là, pour une fois, on apprend, pour une fois, le reste du temps, on apprendra peut-être le contraire, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et là, et que l'élève n'est pas à être au centre de l'école, qu'il y a des règles qu'on doit apprendre, des règles vestimentaires. On s'habille pas n'importe comment à l'école, de toute manière. Oui. Il y a aussi des règles grammaticales qu'on a cessé d'enseigner et qu'on a cessé d'apprendre. Moi, je pense que c'est plus à inscrire dans un projet global. Mais si, évidemment, c'est uniquement la question de l'uniforme et on s'occupe pas du reste, ça n'a aucun sens. Non, mais on s'occupe du reste. Alors, vous savez peut-être que les complémentaires AGIRC-ARCO, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe des retraites des gens comme moi, salariés du privé, que ces complémentaires ont mis de côté un trésor absolument extraordinaire que l'État aimerait vouloir prendre. Ouais. 60 milliards d'euros, alors que toutes les autres caisses sont complètement déficitaires. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, en pleine réforme sur les retraites, le gouvernement renonce finalement à mettre son nez dans les fameux régimes des retraites complémentaires, l'AGIRC-ARCO, on en avait parlé. Rappelez-nous cette affaire d'ailleurs.
Oui, les régimes complémentaires, c'est cet organisme qui sert 60% du montant des retraites des salariés du privé. Hein. C'est donc un organisme essentiel. Alors l'État voulait en contrôler la gestion et sans doute d'ailleurs s'intéresser de près aux 60 milliards d'euros de trésorerie de cet organisme qu'on appelle, vous l'avez rappelé, hein, l'Agirc-Arrco. Alors l'Agirc-Arrco, c'est aussi un bel exemple de gestion paritaire entre syndicats patronaux et syndicats de salariés. Le gouvernement contre l'avis de tous les syndicats, MEDEF en tête, voulaient donc prendre sous sa coupe la gestion des régimes de retraite complémentaires, ce qui préparait donc le transfert, je vous l'ai dit, d'au moins 60 milliards d'euros dans les caisses de l'État. L'État qui finalement a renoncé devant le courroux syndical à faire main basse sur l'Agirc-Arrco. Oui, c'est l'URSSAF qui devait prendre le contrôle. C'est ça. Hein, c'est ça. Alors, la sécurité sociale. 60 milliards d'euros de trésorerie, vous dites. L'État qui manque d'argent aurait pu mettre la main aux grandes dames de tous les partenaires sociaux, alors, c'est ça. Oui, il y avait ces 60 milliards d'euros de trésorerie, vous l'avez dit, des régimes de retraite complémentaires. Mais l'État aurait pu aussi contrôler le flux de cotisations. Je vous rappelle qu'en 2021, ces derniers chiffres qu'on a, l'excédent de la Agirc-Arrco était quand même de près de 3 milliards d'euros d'excédent pour les régimes de retraite complémentaires. Alors, cette santé financière insolente, évidemment, intéressait d'autant plus le gouvernement qu'il pilote, on peut le dire, un État en faillite, 3 000 milliards d'euros de dettes, et qu'avec la réforme des retraites à 64 ans, les dépenses, évidemment, de pension vont s'alléger, puisque les intéressés les toucheront plus tard. Et les rentrées de cotisation, elles vont gonfler, puisque ces mêmes intéressés continueront à travailler plus tard. Donc c'était tout bénef pour les caisses de régime complémentaire, et donc tout bénef pour les finances de l'État. Ouais. Le hold-up aurait été parfait, mais les partenaires sociaux s'y sont opposés et l'exécutif a donc renoncé à gérer et à accepter à capter les ressources des régimes complémentaires. Oui, parce que ça aurait pu être l'étincelle du baril social, c'est ça? Oui, bien sûr. À Matignon, alors j'aime bien la formule, un conseiller disait c'était un irritant, vous voyez, de très fort pour les partenaires sociaux et les parlementaires, un irritant. Mais je préfère évidemment votre formule, Patrick. Mettre la main sur les caisses des retraites des salariés du privé, c'était pas bien. Un irritant, pour reprendre cette formule, c'était l'étincelle sur le baril de poudre sociale, déjà prêt à exploser avec ces mobilisations annoncées pour le 19 janvier prochain, par un front syndical uni. Le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque de faire ce hold-up. D'autres risques sont devant lui et c'est déjà évidemment bien suffisant. Merci. Alors, que va-t-il se passer avec la grève du 19 janvier ? Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. La grande question que tout le monde se pose, Vincent, c'est celle de l'importance de la mobilisation contre la réforme des retraites la semaine prochaine. On passe sans arrêt des prédictions apocalyptiques sur la France complètement bloquée à des considérations plus mesurées sur le thème. Oh là là, le pays a d'autres chats à fouetter que se soulever contre une réforme. Quelle religion avez-vous ce matin? Comme personne n'en sait rien et que l'on tourne un peu en rond de sondages en commentaires aux doigts mouillés, je me suis dit qu'il fallait se tourner vers ceux qui depuis longtemps scrutent le score social du pays, vers les spécialistes. Alors parmi eux, il y en a deux qui se distinguent depuis très longtemps par la qualité de leurs travaux. Un géographe, c'est Christophe Guillouy. Un sociologue, c'est Jérôme Fourquet. Christophe Guillouy, c'est l'inventeur du concept de France périphérique. C'est l'auteur des Dépossédés. La disparition de la classe moyenne est au centre de son travail. Il considère que les catégories populaires sont devenues le cœur battant de la recomposition politique et que l'avenir, en quelque sorte, sera populiste ou ne sera pas. Jérôme Fourquet a écrit L'archipel français et la France sous nos yeux, constat d'un pays atomisé où les grands récits collectifs ont été remplacés par un surinvestissement des individus dans la vie privée, la maison, la famille, la consommation. Dans la France d'aujourd'hui, pour Fourquet, l'horizon politique est plus proche de la soirée barbecue que du grand soir. Et donc, quelle conclusion on peut tirer de cette plongée dans l'œuvre de ces deux sociologues, Vincent ? L'impression d'un immense décalage entre ce qu'est notre société et le récit médiatique qui est en train de s'imposer. Je m'explique. On pourrait croire que la France entière ne vit que dans une sorte de fétichisme de l'âge, avec une lutte à mort à venir entre les défenseurs de la retraite à 62 ans et ceux qui la veulent à 64 ans. Comme si le duel entre Philippe Martinez, le patron de la CGT, et Geoffroy Roux-de-Bézieux, celui du MEDEF, concentrait toutes les passions françaises. Et pourtant, ce duel, cette chorégraphie politique et sociale, sont très éloignés des angoisses des catégories populaires. Selon Guillouy, l'inquiétude des gens ordinaires, elle est d'abord existentielle. C'est la crainte de voir disparaître un patrimoine matériel mais aussi immatériel. C'est le sentiment d'un effacement de tous les aspects de la vie, dans sa dimension économique évidemment, mais aussi dans tous les plaisirs de détail, la voiture,
la pêche, la chasse, la sécurité, le bistrot, le facteur, les marchés, les paysages. La retraite qui s'éloigne ajoute à cette crainte, mais elle n'en est certainement pas le cœur. Fourquet n'est pas loin de penser la même chose, mais il considère qu'entre la colère et la résignation, c'est le deuxième sentiment qui l'emporte, comme si les Français avaient choisi d'entrer dans une forme d'hibernation politique. Donc, si je vous ai bien suivi, Fourquet, comme Guy lui, nous explique qu'entre les lignes qu'Emmanuel Macron pourrait en fait franchir l'obstacle de la réforme des retraites plus facilement que prévu. Alors, ils ne disent certainement pas ça, ils sont beaucoup trop intelligents pour prendre le risque d'une prédiction à court terme. Oui. Ce qu'ils nous disent, en revanche, c'est que cette réforme n'est pas du tout, comme on l'entend souvent, la mère de toutes les batailles. Qu'elle soit votée ou qu'elle soit rejetée, le mal français est d'un autre ordre. Ce mal, c'est celui dont souffre une majorité silencieuse. Une majorité silencieuse qui ne se sent pas représentée ni par les politiques, ni par les médias. Une majorité qui peut s'unir dans le refus, hein, comme lors du référendum de 2005 ou comme au début du mouvement des Gilets jaunes. Une majorité divisée, qui ne trouve donc jamais aucun débouché politique. Si la contestation contre la réforme des retraites se greffe à ce sentiment d'impuissance, le pouvoir a du souci à se faire. Si ce n'est pas le cas, bah ce n'est malheureusement que partie remise dans la rue ou dans les urnes. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1, merci beaucoup. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les syndicats unis fourbissent leurs armes en vue de la manifestation de jeudi prochain, 19 janvier, avec les premiers arrêts de travail, un jour, 48 heures, 72 heures, parce que 64 ans, c'est non. Voilà que les raffineries vont s'y mettre, ou plutôt s'y remettre. Retour vers le passé. Ah, là, oui, hein. Oui. Vous savez, en 2010, la réforme Sarkozy, qui élevait l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, avait connu la même opposition, des syndicats unanimes, c'était niet, pas question de toucher au totem. Il n'y avait pas eu de photo de famille des huit leaders comme aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais toute la gauche était contre, bien sûr, là, rien ne change. Les syndicats disposaient de trois leviers pour se faire entendre. Les grèves reconductibles, les manifs et l'opinion. En 2010, les cheminots avaient fait leur compte. 10 jours de grève, c'est 10 jours de salaire en moins. Or, à la SNCF, on ne paie plus les jours de grève. Donc, en 2023, ils devraient réfléchir, je pense, compte tenu de la hausse du coût de la vie. Parce qu'on a payé les jours de grève à la SNCF. Ça, c'est une info. Restaient donc les manifestations. On ne paye plus. Oui, on ne paye plus, oui. Restaient donc les manifs. Oui, il y en a eu 9 avant le débat à l'Assemblée nationale, pendant le débat, après le vote, pendant le débat au Sénat, et à chaque fois, il y a eu beaucoup de monde. 3 millions dans toute la France, disaient les syndicats, 1 million selon la police. Mais à l'époque, 70% des Français approuver les manifestations. En 2023, comme en 2010, les manifs commencent avant l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale. Il y en aura au moins 3 avant le 6 février. Mais petit bémol intéressant, 58% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour les manifs. Vous voyez, c'est moins. Et le sondage a été fait en décembre dernier. Alors, la réforme, à l'époque, avait été votée à l'Assemblée nationale par une écrasante majorité. Hein. Ben oui, puisqu'on avait la majorité, c'était 336 voix, UMP plus centriste. Mais tiens, François Bayrou, lui avait voté contre avec la gauche, les PS, PSC et Verts, 233 voix. Le vote était intervenu après une séance qui avait duré plus de 15 heures jusqu'au lendemain 9h30 parce que la gauche avait épuisé son temps de parole, fixé maximum à 50 heures. Elle avait bien essayé de prolonger. Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, y avait refusé. On avait vu Jean-Marc Ayrault se précipiter sur lui. On avait cru qu'ils allaient débattre. Enfin, ça avait été très dur. Mais c'est que Hélène Royal, après le vote, avait promis que si elle arrivait au pouvoir, eh ben, elle reviendrait sur les 60 ans. Voilà. C'est alors que la CGT Pétrole avait pris le relais. Oui, sur les plateaux télé, on ne voyait plus que lui, le coordinateur CGT de chez Total, Charles Foulard, toujours coiffé de son bonnet rouge. Il l'expliquait dans Libé, lui, il voulait virer Sarko. Et donc, les raffineries étaient mises en mini-débit et la livraison d'essence et de gazole était bloquée pendant plus de 12 jours. Beaucoup de stations-service étaient à sec. Les gens n'avaient plus les moyens de circuler, de se chauffer. Un pouvoir de nuisance exorbitant pour des salariés pas du tout impactés par la réforme, mais bénéficiant d'un régime maison en or, retraite à 55 ans, 184 jours de travail par an pour cause de pénibilité et salaire plus que confortable, on l'a vu, et leur grève avait finalement beaucoup desservi le mouvement. Alors, sauf qu'en 2023, aujourd'hui, la CGT Pétrole entre dans la danse, mais cette fois, non pas avant, mais pas après, mais avant l'ouverture du débat à l'Assemblée. Oui, moi je crois que Philippe Martinez, qui s'en vante à quelques mois, est dépassé par sa base, mais tout de même entendre M. Lépine, le coordinateur de la CGT chez Total, déclarer hier sur Europe 1 qu'il se bat pour la démocratie, là on se dit, il se fout du monde, parce qu'en novembre déjà, c'est lui qui a privé les Français d'essence et de gazoil, alors que leur grève n'était que corporatiste pour leur augmentation de salaire, ils ont fini par gagner, mais beaucoup de Français, eux, ont perdu, et ils ne sont toujours pas impactés par la réforme, alors qu'il ose se poser en défenseur de la démocratie, après en avoir ri, on devrait en pleurer. C'est insupportable, mais je crois que du côté de l'opinion, là, ça ne va pas le faire. Bon, cette semaine,
qu'est-ce que je peux vous recommander comme lecture? Évidemment, toujours le monde diplomatique, mais également aller sur le site du Monde Diplo. Vous pouvez y faire des recherches très très intéressantes sur l'avant-guerre en Ukraine. C'est très très intéressant. Alors, je vous recommanderais évidemment toujours Le Front Populaire. C'est une revue qui a vraiment sa tenue. Mais alors, par contre, ne commandez pas Le Front Populaire sur le site du Front Populaire. Moi, j'ai déjà commandé plusieurs fois des revues que je n'ai jamais reçues. Quand même. Bon, je ne suis pas allé au cinéma cette semaine, mais je suis allé chez Montoubib. Et là, j'ai pu lire un journal avec lequel j'avais collaboré pendant assez longtemps, c'est le Figaro Magazine. Ah, j'étais vraiment complètement catastrophé, stupéfait par ce journal où vraiment il n'y a plus rien, si ce n'est du publi-reportage. Bon, eh bien écoutez, à bientôt, n'oubliez pas le pouce, c'est vraiment très important pour moi, et puis partagez. Allez, au revoir.